Die zei van ik ga vijf keer top zijn. Best wel. Je bent nog nooit zo goed geweest als studie. Wanneer dacht je van het is zeker? Wait a moment. La médaille pour le Grand Suisse, monsieur Daniel Chercheron, président de la région d'Antalcalais, félicite le Grand Suisse, lui remet donc la médaille de troisième et va recevoir maintenant les félicitations de monsieur Guillaume Belmar, maire de Roubaix, qui va féliciter le Grand Suisse de monsieur Belmar. Accueillir le deuxième de l'épreuve. Il nous vient d'Allemagne. Il porte les couleurs de l'équipe Giant Shimano, John Degenkolb. Voilà le coureur allemand qui termine à la deuxième place, restant vainqueur de Grand Bevelgem. Il félicite Fabien Kölschelera et maintenant monsieur Daniel Percheron, président de la région Nord-Pas-de-Calais, donc remet la médaille de deuxième à John Degenkolb. Monsieur Guillaume Delmar, maire de Roubaix, félicite le coureur allemand qui est l'un des leaders de la jeune génération. Et maintenant, madame Hélène Parra, vice-présidente en charge des sports de la région Nord-Pas-de-Calais, partenaire majeur de l'épreuve, remet le bouquet de fleurs au deuxième de l'épreuve. Un bouquet pour John Degenkolb, le grand de l'équipe Giant Shimano, deuxième de l'épreuve. Et maintenant, nous allons accueillir le vainqueur de l'édition 2014 de Paris-Roubaix, sixième victoire des Pays-Bas, Nicky Dijkstra, le grand de l'équipe, au meilleur fort de Quick-Step sur la plus haute marche du podium, le passion de toute la public, Nicky Dijkstra, qui va recevoir maintenant le bouquet, donc qui va lui être remis, voilà, donc le bouquet remis par Miss Roubaix, donc à Nicky Dijkstra, troisième, cinquième de Paris-Roubaix, et aujourd'hui, grand vainqueur, voilà, Miss Roubaix, maintenant, eh bien, monsieur le maire, monsieur Guillaume Delmar, maire de Roubaix, va remettre le pavé traditionnel qui récompense le vainqueur de la Reine des Classiques, Paris-Roubaix. Voilà, on a du monumental, un pavé à inattendu, Nicky Dijkstra. C'est un moment exceptionnel avec la communion avec le public de Roubaix, Nicky Dijkstra. Vainqueur, il regarde ce pavé, il est allé le chercher après avoir pédalé durant plus de 50 km sur les secteurs pavés. Il est donc reçoit le pavé du vainqueur. Et maintenant, ça doit également donc autour du podium et des trois lauréats, Daniel Percheron, le président de la région Nord-Pas-de-Calais, qui va aller féliciter le vainqueur. Nous avons également madame Hélène Parra, vice-présidente de la région charge des sports pour la région Nord-Pas-de-Calais, et également donc Sonia Reggini,
deuxième, John Degenkolb, vainqueur Dicky Terpstra. Et en applaudissant le podium, on peut applaudir tous les coureurs de Paris-Roubaix. Quel que soit le classement obtenu, la course a été intense de bout en bout. Et il a fallu attendre les derniers kilomètres et l'attaque de Dicky Terpstra, un vainqueur logique compte tenu des parcours qu'il a déjà réalisé sur l'épreuve, et le tout sous le regard de Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France, et de Paris-Roubaix, de Bernard Hinault, donc vainqueur de l'épreuve en 1981. Et nous avons également donc Yann Monner qui nous ont rejoint. Voilà, les coureurs se tournent vers l'autre partie du vélodrome. De ce côté-là, vous pouvez les applaudir également. Dicky Terpstra, le vainqueur, John Degenkolb qui termine à la deuxième place.